Et donc, salut les amis. On se retrouve dans Fluffyord, où là notre but est de amener une princesse à sa fête. Le but en vrai, c'est qu'elle arrive là où elle doit arriver, hein. 2 secondes. Sans qu'elle soit damagée. Quand même. Je me suis démerdé un peu mal. Logiquement, ils sont pas censés approcher. Voilà. On met eux deux là. Et nous, on a fait avancer tranquillement. Juste. Bon. En vrai, cette musique, elle était courte. Mais elle était superbe. C'était une musique parfaite. Et donc là, le coup encore de la princesse. Là, c'est la princesse est en retard pour une partie. Donc c'est pas de guerrier et il faut utiliser qu'une carotte. Pas de guerrier, utiliser qu'une carotte et la sorcière, la sorcière, que la princesse ne soit pas damage. Come on, I won't bite. I mean, hopefully you will, or else there is not much point in wearing this. Bon. On va faire la technique qui fonctionne à chaque fois. Merde. Bon. Ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais le truc avec une seule carotte, c'est que ça doit être faisable. They said I would never be a carrot. Well, look at me now. Never give up, kids. Ne laissez jamais tomber les enfants. Si vous voulez être une carotte, vous pouvez. Qu'est-ce que cette carotte est en train de vous dire?
Et en vrai, tant que j'utilise qu'une carotte, ça passe. Oh merde! Ils ont réussi à la toucher! Alors, hein? On fait moins les malins? Voilà. Ensuite, maintenant. La route est toute tracée. Avec une carotte qui danse à côté de vous. Voilà. C'est parfait là. Des soldats de chaque côté qui protègent la fête. Ou que aussi il y aurait des lapins tueurs qui arrivent à on sait jamais d'où. Et une carotte qui danse. Pour animer la fête. Ah, oui, j'ai pas le use one carotte. Take the process to the party but play some pinball first. Alors en fait, là, eux, ils vont vouloir les tuer, eux. Donc du coup, toi la princesse, eux deux, ils vont aller de ce côté-là pour les tuer. Toi, tu vas aller par là. On va créer ces deux machins-là, mais d'abord, to the battle. Voilà, boum. Ça, eux, ils passent pas. Ensuite, on crée ça. Ok. Et l'autre. Hop, avancez, 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 avancez. Hop là. Il en reste deux. Vas-y, avance. Envole-moi. Il est parti dans l'espace, je crois. Hein. Ah non, bienvenue. Regarde. Et non. Non, halt. Le lapin, il... Là, j'ai propulsé le lapin dans l'espace. Ah, c'est tout ce qu'il attendait.
qu'en fait, je vais tester un truc. Je vais tester un truc. Le battle. Genre direct comme ça. Vous deux, je vous mets plus de ce côté-là. Let's crop and roll. They're multiplying like rabbits. Blade needs to be fixed. Et le but. They're multiplying like rabbits. Vu que le but est juste de protéger elle. Une fois que c'est bon. Oh mais non, mais je voulais remonter le pont moi. Genre comme ça, tu vois, tu fais le truc, genre. Bah c'est fermé de chaque côté. Donc il y a plus de lapins qui peuvent venir. Il y a plus de lapins qui peuvent venir. Genre les lapins c'est non. C'est bon, la princesse a arrêté de nous embêter avec ses fêtes. Maintenant c'est les vaches. Nous devons sauver cette vache. Elle a désespérément besoin de lait. Il y a des lapins qui veulent s'attaquer à notre windmill, à notre moulin. Cette vache a désespérément besoin de lait et donc elle doit arriver ici. Coup de battle. Mais ouais, en vrai. Hop. Bon, faut pas oublier d'amener la vache. Mais non! Bon. En gros. Toc. Let's crop and roll. Tac. Boum. Ensuite. Ici. Pec. Pec. Le but, c'est juste de l'emmener jusqu'ici.
On ne peut pas protéger le windmill. Ce n'est pas possible. Le windmill ne sert à rien. Yep. Non. Stop being poor. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais ça veut sûrement pas dire quelque chose de bien. Ça veut peut-être dire arrête de faire le con. Et joue. Vraiment. On a baissé tous les ponts. Ah merde. Le windmill. C'est mort là. C'est... comment dire, c'est foutu. Comment des archers peuvent défendre une zone tout seul? How did we come to this? Elves killing bunnies? Seriously, someone fill me in. Nature finds a way. But let's kill some of it for like balance. Tac. Merde. Que ça remonte. Ça remonte. Mais il me butait ses lapins là. Mais comment tu veux défendre? C'est pas possible! C'est impossible! Tu dois utiliser 60G par pont pour faire passer la vache. Donc si tu baisses les 3 ponts, ça te fait utiliser 180. Seule chose que tu peux créer, c'est un archer. Tu as besoin de ce pont là qui soit baissé, et tu as des lapins qui vont arriver avant que la vache arrive. Tu as des lapins qui vont arriver avant de l'autre côté. Impossible. Bon, du coup on sera resté bloqué sur ce niveau Mother Co. Après avoir amené la princesse à deux de ses parties, on se retrouve bloqué sur le l'événement où il faut juste sauver une vache. C'est quand même ouf. Comme un truc super simple, amener une vache à cette plante qui te donne du lait devient très compliqué quand tu as des lapins qui t'attaquent. Parce que les lapins, eux, ils rigolent pas. Ils t'attaquent tout, ils t'attaquent ton blé, ils t'attaquent ton moulin, ils t'attaquent tout le monde. Ils t'empêchent même ta vache d'avancer. Hein. Ta vache, genre, s'il y a des lapins devant elle, moi j'avance pas. En mode, non, moi j'avance pas. Ils t'en veulent jusqu'à ton blé. Ton blé, il est en train de pousser, il le bouffe déjà. Donc, eh bien, si cet épisode vous a plu, eh bien, vous pouvez le partager, l'aimer. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Fluffy Horde. Des bisous!